Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui. Parce que la réussite de notre groupe est importante pour nous tous, et je sais que dans les derniers mois, vous avez tous fait beaucoup d'efforts pour continuer à développer le groupe, malgré la baisse dans l'automobile et en faveur de la croissance dans les autres secteurs. Cette ambition de réussite, nous devons l'accélérer et la conforter. C'est l'objet de la communication que je vous fais aujourd'hui. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de rendre notre organisation encore plus proche de nos clients, encore plus efficace, encore plus visible et claire vis-à-vis de nos partenaires. Nous avons fait, au début de l'année, un premier pas dans cette direction avec un début de régionalisation de notre organisation. Nous souhaitons continuer dans cette voie. Pourquoi ? Pour que nos clients nous sentent plus proches d'eux, d'une part. Ils connaissent mieux et de plus près les responsables qui sont en charge de les supporter, pour que ces responsables aient une zone d'activité mieux répartie et que nos clients voient plus l'offre multimétier que nous sommes capables de leur proposer. Quelle est cette nouvelle organisation ? Elle sera basée d'une part sur des régions fortes, des régions qui, comme leur nom l'indique, couvrent un territoire géographique avec plusieurs agences, typiquement quelques centaines de collaborateurs par région. Ça, c'est le pilier de l'action opérationnelle de cette nouvelle organisation, la proximité des clients, le management des équipes, notamment pour l'assistance technique et les plateaux rugby. Ça, c'est la base, c'est là que d'ailleurs que la performance économique de chaque département, auto comme EC, sera mesuré. C'est le pilier principal. Il sera flanqué de deux autres piliers qui, eux, ont un rôle différent. Tout d'abord, une direction technique. Une direction technique qui sera garante des méthodes, de la qualité, de la gestion pérenne des compétences, de la meilleure utilisation des compétences dans notre groupe, et notamment de vérifier que les grands projets au forfait sont bien montés, bien suivis, bien réalisés. Voilà la direction technique qui, au passage, devra développer des lignes de service, puisque c'est dans ces directions techniques que les profils pérennes de nos métiers seront définis et pourront être exposés à nos clients. Donc la direction technique. Et puis une autre, qu'on peut appeler direction du business development, qui elle sera vraiment tournée vers les clients, animer les relations avec les clients, et notamment celle avec les grands comptes, il y aura donc des key account managers sur plusieurs grands comptes, animer le réseau commercial, vérifier que le nombre de rendez-vous, le nombre de CV, l'action commerciale quotidienne tourne bien, identifier les marchés accessibles et optimiser nos offres, notre présence vis-à-vis de ces différents marchés. Quand allons-nous commencer ? Eh bien, on commence de suite, tout début juillet. Les consultations nécessaires ont lieu et il faut y aller parce que le deuxième semestre sera bâti sur cette nouvelle organisation. Et j'espère bien, comme vous tous, que grâce à cela, nous aurons un peu plus de vent dans les voiles, si j'ose dire, pour le deuxième semestre, c'est-à-dire un peu plus de tuyaux d'affaires, de bonnes réalisations. Le deuxième trimestre, déjà, va mieux que le premier. Il faut continuer sur cette voie et accélérer grâce à cette nouveau pas dans l'organisation opérationnelle. Donc toujours trois départements en France, Auto, EC et CIMRA, et deux d'entre eux, Auto et EC, organisés selon le nouveau schéma dont je vous ai parlé. Grâce à cela, grâce à vos efforts à tous, je suis sûr que Ségula va reprendre le chemin de la croissance et d'une meilleure profitabilité. Nous en avons tous besoin, c'est notre ambition, je sais pouvoir compter sur vous pour la réaliser.